sur mon nom. Et que Père éternel, Dieu tout-puissant, la vie soit communiquée à ce moment. Je t'en supplie, parle à quelqu'un, s'il te plaît, au nom puissant. Accorde mes frères, tiens ton voisin, ne me distrait pas. Les enfants, s'il vous plaît, donnez-le le plus grand, donnez-le le bonbon, afin qu'il fasse pas avec nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Depuis deux semaines, on a démarré un enseignement. Le thème, c'est discerner le mystère des saisons. Le thème, c'est le mystère des saisons. Alléluia. Gloire à Dieu. Le mystère des saisons. On a pris, on s'appuyant sur Genèse 8, verset 22. La Bible dit en Genèse 8, 22, que aussi longtemps que la terre subsistera, aussi longtemps qu'elle subsistera, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, le chaud et le froid, la semence et la moisson ne passeront point. En Genèse 8, 22, Dieu donne les quatre grands lois qui régissent l'univers. Nous sommes dans un monde où il y a des lois. Frère, l'ignorer va te détruire. Dieu dit, mon peuple périt, pas pour la sorcellerie, mais parce que tu n'as pas la connaissance. Donc celui qui ne connaît pas, triomphe de toi. Et dans le monde où nous sommes, il y a quatre grandes lois. Et cette grande loi, pour faire, et toutes les autres lois, découlent de ces quatre grandes lois. Alléluia. Je prends les enseignes. Quand tu prends la loi de la semence et de la moisson, la loi de la semence et de la moisson dit, pour récolter, il faut que l'homme que je sais. Alléluia. Quand on parle de la loi de la semence et de la moisson, c'est pas seulement offrande. Quand un élève est en cas de terminale et qu'il travaille dur à l'école, il sait, à la fin, il obtient son bac, c'est la loi de la semence et de la moisson. La foi, Dieu dit, si tu crois, tu feras. Matthieu 7, verset 10, demandez et l'on vous donnera. La loi de la semence et de la moisson. Et la loi du jour et de la nuit. Dans ta vie, il y a des moments où ça va bien. Il y a des moments précis. Pas à cause de la sorcellerie, mais ça ne va pas du tout. La vie passe toujours par le cycle, jour, nuit. Donc ces grandes lois gouvernent ta vie, gouvernent ma vie. Si je les ignore, je vais échouer. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes en train de traiter la loi des saisons. Tout dans le monde est influencé par les saisons. Tu peux semer du riz, mais si tu sèmes le riz dans la saison sèche, malgré tes jeûnes et tes prières, tu as récolté rien. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'on pense que dans la Bible, il y a deux lois. Jeûne et prie. Frère, le jeûne à prier dans l'onction, ça ne va pas prospérer. Chaque porte a une clé. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés. Il n'a pas dit la clé, il dit les clés. Ça veut dire, dans le ciel, il y a plusieurs portes. Et chaque porte a sa clé. Ta vie est influencée par les saisons. C'est important de le savoir. Ceux qui arrivent à discerner les saisons réussissent sans effort. Ceux qui discernent les saisons réussissent sans effort. Gloire à Dieu. Je présente en Côte d'Ivoire. Les années 90, il y a eu le mouvement de l'ancien. Dieu a suscité les serviteurs remplis de puissance. Alléluia. Mais le fait de notre 2000, on a besoin de notre saison. Amen. Et quand vous voyez aujourd'hui des hommes comme Mohamed Sanogo, qui est mon père spirituel, ils ont senti que les saisons qui ont été sortis de la nation. Parce que les gens qui sont dans des programmes sont pliés sur eux. Ils sont tombés. Les choses ont été cassées. Ils ont prophétisé. Mais ces personnes voulaient découvrir les clés pour réussir dans la vie. Comment faire pour que mon foyer prospère? Ma famille avance. Il y a des personnes qui ont saisi que Dieu a changé mon mouvement. Et c'est parce qu'on sentit la saison de la parole. On commençait à régner sans effort. Quand vous voyez des hommes des dieux, comme Mohamed Sanogo, des hommes des dieux, comme Lalou Bafo, c'est des enseignants de la parole de Dieu. Comme Oué, alléluia. Amazon, c'est des personnes qui ont senti la saison, c'est les 2000.
et qui ont besoin de traiter cette saison-là. Amen. Dans le temps qui est arrivé, Dieu en train de donner une autre saison. C'est la saison des gens qui ont saint, mais qui en même temps démontre la puissance. Ça veut dire que si tu restes dans la saison de la parole seulement, les enfants qui auront les clés, mais ils doivent triompher des démons et des autorités et de la puissance du miracle et du prodige. Ceux qui sont restés, si Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, les églises vont se vider. Ceux qui vont rester sur les clés, risquent, dans les temps qui arrivent, devant le peuple stagner. Et si vous observez bien, depuis 2-3 saisons, 3 années, vous verrez l'homme de Dieu Mohamed Sanogo, Dieu vous a réduit dans le domaine du prophétique et des miracles. Alléluia. Frère, même dans la parole de Dieu, tu agis par saison. C'est très important. Quand tu prends une personne, comme Moïse, il fait sortir Israël d'Égypte et Israël doit entrer à Canaan. Israël est sorti d'Égypte. Amen. Il y a une saison où il sort de l'Égypte. Mais il y a une saison qui vient où il doit entrer à Canaan. Je suis une personne comme je suis, à qui il a une option de conquête, de guerrier. Jésus est un prophète, mais c'est un prophète qui dit pas Dieu m'a dit, mais c'est un prophète qui va tomber les murailles de Jéricho. Cette saison, tu as besoin de personnes, tu es prophète, tu allais conquérir des territoires. C'est le cas de David. Il est roi, mais c'est un roi conquérant. Quand David s'en va, tu emmènes son fils Salomon. Il est roi aussi, mais la saison est passée. La saison des conquêtes est passée. David a conquis, il a pris Jébus, qui est de Jérusalem. Maintenant, il y a une saison où Dieu assoit son peuple la prospérité. Donc Dieu en a une option de prospérité, de sagesse. Salomon a senti la saison où il est entré. Si au temps de Salomon, tu as une option de bataille, il y a plus de guerre, tu fais quelle bataille? Tu dois discerner les saisons. Quand tu même ton option, si elle n'est pas dans la saison, tu ne prospéreras pas. Les gens disent, je veux l'onction de Élie, je veux être comme Élie. Regardez bien, l'onction de type Élie, c'est une onction qui arrive quand se lève et Akab ou Jézabel sur une nation. Quand Hérode s'est levé, tu as appelé Jean-Baptiste, tu as une onction de Élie pour faire tomber ces gens-là. Donc le type d'onction que tu recherches est fonction de la saison dans laquelle tu es. Tu ne peux pas réussir, tu ne discernes pas les saisons. Dieu veut donner toi qui va venir et élever son peuple en Côte d'Ivoire. Et tout ce que Dieu élève dans la prospérité, le communique la sagesse. Donc, enfant de Dieu, vous avez travaillé pour être sage. Si tu as fait des études au CM2, va en terminer encore. Si tu as fait au BTS, ça ne va pas arriver. Va à la maîtrise, va au master, monte ton niveau. Parce que quand Dieu veut élever, il va chercher de la sagesse. Dieu va appeler son peuple en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui vont discerner la saison, qui vont monter le niveau de connaissance, pourront en profiter. On voit qu'il y a un travail, mais on cherche une personne compétente. Si tu n'as pas la compétence, malgré tes jeunes prières, tu en profiteras. Les saisons sont très importantes. Et dimanche dernier, on a dit que il faut savoir discerner les saisons. Que quand une saison arrive dans ta vie, il y a des tremblements et des bouleversements. Quand il y a de décoller, on dit attachez vos ceintures. Parce que l'avion va quitter la terre pour entrer dans la saison des airs. Et que va atterrir, on dit aux gens attachez vos ceintures. Quand l'avion en l'air, tu peux marcher à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais quand il veut quitter une saison et une saison, il y a toujours des secousses. Quand dans ta vie, quand tu sens des secousses à un moment donné, et quand tu dis que c'est pas le diable, tu veux te dire mon fils, ma fille, il y a une nouvelle saison qui se met en place. Je déclare dans ta vie que Dieu a une saison de miracle au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tu vas faire décoller et atterrir
dans la gloire de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Et Dieu veut que nous vivions. Amen. Et donc, on continue notre enseignement. Et aujourd'hui, on va entrer dans les saisons. Aujourd'hui, on va entamer les saisons. Dans la vie, il y a deux grandes saisons. Il y a les saisons cycliques. Salomon, on parle. Les saisons qui font un cycle. Salomon parle du cycle de l'eau. L'eau vient du ciel. Elle arrose la terre. Le soleil fait que l'eau est évaporée. Et l'eau repart dans le ciel. Amen. Font les nuages et l'eau revient. C'est un cycle. Il parle du cycle du vent. Le vent vient. Il fait son tour et recommence. Dans ta vie, il y a des choses qui sont cycliques. En 2016, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. En 2017, on fait encore le même cycle. Dans ta vie, il y a des choses qui vont toujours se répéter. Ce sont des saisons cycliques. Le jour et la nuit, le chaud et le froid. L'été, l'hiver, l'automne, le printemps, les saisons cycliques. Donc je vais te dire une chose, frère. Il y a des moments où tu es dans le désert, tu as des difficultés. Aujourd'hui, tu prospères, tu es à l'aise. Je vais t'informer que le désert va revenir. C'est les saisons cycliques. Il y a des saisons qui ne sont pas cycliques, elles sont linéaires. Elles ne se répètent plus. C'est comme le passé, le présent et le futur. Ce sont les saisons de la vie. C'est les deux grands types de saisons qui existent sur la terre. Aujourd'hui, on va entamer les saisons de la vie. Et la saison qu'on va aborder aujourd'hui est la saison de l'enfance. La saison de l'enfance. Prends ta Bible, on va voir ensemble. Ces saisons avant de les expliquer. Amen. Quand je prends la Bible, en Joël 2, verset 28. Joël 2, le verset 28. Je lis. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Dieu dit, vos fils, vos filles, vos jeunes gens et vos vieillards. Donc, il prend enfant, jeune et père. Amen. On va prendre encore 1 Jean 2, verset 13. Je lis 1 Jean 2, verset 13. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vécu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Il dit, Père, jeune gens, petit enfant. Donc vous voyez, dans ces deux passages, Dieu donne trois types de catégories dans la vie des hommes. Le stade des enfants, le stade des jeunes et le stade des pères. Dans ta vie, tout ce que tu entreprends passe par ceci. Tu commences un ministère à un moment où il est enfant, à un moment donné où il y avait un jeune ministère, et après il y avait un ministère père. Tu commences un mariage à un moment où le mariage est enfant, après il y avait un jeune mariage, après il y avait un mariage père. Tout ce qui naît dans la vie passe par ces étapes. Et discerner la saison dans laquelle tu es est importante parce que ça te permet de savoir qu'est-ce que tu dois faire en ce moment précis et qu'est-ce que tu dois attendre. Tout ce qui naît passe par ces étapes. La première étape, c'est la saison de l'enfance. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est la saison de l'enfance. C'est quoi la saison de l'enfance? On le comprendra. On va voir comment on discerne l'enfance 2. Et troisièmement, comment on agit dans l'enfance 3. Et quatrièmement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la saison de l'enfance? Ça connecte. C'est un message.
très important. Mais mes frères, la première chose qu'on va dire sur l'enfance, c'est que la saison de l'enfance, un enfant doit être déterminé par sa taille. Ce n'est pas la taille qui détermine la saison de l'enfance. Il y a des gens qui font seulement 10 cm, mais ils ont 40 ans. Tu vas te dire, j'ai un enfant ou un frère de vie que toi. Donc la taille ne détermine pas l'âge de la personne. Première chose, tu as une église, ils sont 10 000, ça ne veut pas dire qu'ils sont matures. Ils sont 6 à une église, ça ne veut pas dire qu'ils sont enfants. La taille ne détermine pas ton âge. On a compris ici, quand on introduit ce message, que l'éléphanto, quand il naît, il fait 120 kilos, mais les bébés, une souris va le tuer, une souris mature va le tuer. Mais il fait 120 kilos. Donc ta taille ne détermine pas ton âge. À une entreprise, tu fais des chiffres d'affaires de 100 millions, ça ne veut pas dire que tu es mature. Deuxième chose, ton âge ne détermine pas que tu es mature. L'éléphant dont on a parlé, jusqu'à 4 ans, il est nourrissant. On l'allait. C'est à 4 ans qu'on sert un éléphant. Or, après 10 jours, un moustique qui est venu est mort. Donc, tu as vu un éléphant être plus mature qu'un moustique de 8 jours, c'est pas vrai. Le moustique est mature jusqu'à ce que c'est fini. Il s'arrête maintenant. On ne dit pas, j'ai 15 ans de ministère, mon ami. Tu peux avoir 15 ans de ministère, puis tu as un âge de 8 mois. Tu ne crois pas, un homme qui a 45 ans, qui sort avec une fille de 14 ans, ou avec sa servante, il n'a pas 45 ans. C'est un bébé. S'il est capable de maîtriser sa chair, ma vie c'est 45 ans, c'est un fiston. Il faut du lait. Bible. Alléluia. Je prends la besoin de ma vie au nom de Jésus. Est-ce que tu parles avec le Seigneur? Alléluia. Voilà Dieu. Tout fait. Ton âge ne détermine pas si tu es mature, si tu es père ou tu es fils. On va voir là. Qu'est-ce qui permet de discerner si on est enfant ou pas? La première chose, un enfant se détermine par sa maturité. Un enfant est déterminé par sa maturité. Et les enfants, à cause des problèmes que les parents ont connus, il a 8 ans, mais parce que son père n'est plus, ou son père a pris son travail, très tôt il a des responsabilités. L'enfant a 10 ans, tu le vois, il a 10 ans en âge, mais son esprit est ouvert. Il n'est plus un enfant. Malheureusement, il y a des filles, à 13 ans, 12 ans, elles sont avec des hommes de 40 ans. Qu'elle a 15 ans, tu vas voir petit ma fille, c'est pas ta fille, mon frère, c'est elle. C'est elle, pas délivrée. Parce que, tu me comprends, n'est-ce pas? Et plus, c'est pas l'âge, c'est la maturité. C'est la maturité. En 1 Corinthiens 13, verset 11, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que j'ai dit oh, je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. L'enfant se détermine par la maturité. Ta manière de parler, de te comporter, on peut discerner si tu es un enfant. La maturité. Alléluia. Il m'a dit, bon enfant, pas. Quand l'enfant prie, tu sais que tu es un enfant. Seigneur, donne-moi. Quand l'enfant s'élève, quand il est petit, tout tourne autour de lui. Quand une personne a un esprit, nous
Et son nombril, le nombril de la terre, tout tourne autour de lui. Cet homme a cette devée. Comme tout doit passer par toi, tout doit faire pour toi, tu es un enfant. Quand tu vas prier pour quelqu'un, intercéder, porter ton prière, mais quand tu es deux heures de prière, une heure, c'est quand même minutes, c'est pour toi. Et la dernière minute, tu dis Seigneur, merci, monsieur, tu as exaucé. Amen. Tu es un enfant. Mais quand l'enfant dit quoi? Donne-moi à manger. Maman, j'ai soif. Papa, j'ai soif. Même pour le laver, on doit prendre soin de lui. Un enfant est dépendant. Vous pouvez avoir 15 ans de mariage. Mais si il faut que ton père, ta mère ou tes frères de quartier soient là pour aider à ce que votre foyer soit stable, avec vos 15 ans de mariage, vous êtes encore enfant. Parce que c'est les autres qui vont venir vous donner des conseils afin que ton foyer soit solide. Un enfant va vivre seul. Il vit au-dessus, au dépens des autres. Donc si ton ministère vit au dépens des autres, c'est encore un enfant. Mais 10 000, c'est vrai. Mais si ton ministère n'est pas indépendant financièrement, frère, même 10 000 personnes, c'est béni spirituel. Si ton nom, s'il n'est plus, ton entreprise est tombée, malgré tes 10 milliards de chiffres d'affaires, frère, ton entreprise est bébé. Parce que lui, l'enfant, son cerveau vient de l'extérieur, pas de lui. C'est pourquoi les pays africains, la Côte d'Ivoire en tête, sont encore bébés. Parce que si, pour choisir ton premier ministre, il faut la vie de l'extérieur. Pour pouvoir construire une école à vie de l'extérieur. Pour ton budget, il faut être une FMI, mon frère. Même si tu as 60 ans, tu es bébé. L'enfant est dépendant. Le jeune est indépendant. Si tu dépends de quelqu'un d'autre que Dieu, tu es l'enfant. La seule personne dont tu as dépendant dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta vie, c'est Yeshua HaMashiach, dit Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc l'enfant, elle est terminée. 1. Mentalité. 2. Sa capacité à être dépendant des autres. 3. On va prendre 1 Corinthiens 3, le verset 1. Pour lire et on va voir. 1 Corinthiens 3, verset 1. Je lis. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez le supporter même pas en besoin, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme. On lui dit, moi, je suis de Paul. Et un autre d'Apollos ne veut pas des hommes. Les divisions, les colères, les crises, les jalousies sont un signe qu'il y a un niveau qu'on n'a pas atteint à l'enfant de béni. Je suis de Paul. Moi non, ça sent royal. Toi, mes missions, non plus les fautifs. Mon ami, j'ai encore bébé. Et bizarrement, et malheureusement, en Côte d'Ivoire, l'église en général, au stade, des bébés au lait. Quand des hommes de Dieu se battent sur des fidèles, quand des hommes de Dieu se battent, disent, moi je prie moins que toi, je prêche plus que toi, frère. On a qu'à dire. Quand tu es à 15 ans de mariage, mais tu le dis en samedi, c'est dimanche, on va à l'église, quand on va prendre un pouvoir, marcher ensemble. Mais tu deux ça veut dire ton mariage toi, c'est pas là. Mon ami, même à votre 15 ans de mariage, vous êtes des nourrissons. Les problèmes, les crises, les changements.
t'appeler. Maman, papa aussi va taper. Maman, Titi va taper. Deux enfants ensemble, frère. Tu vas toujours être juge pour se séparer. Si je vous ai toujours pas là, frère, grandissez. Dis à quelqu'un, grandissons. Frère, il faut qu'on grandisse. Donc, le fait d'être charnel prouve qu'on est encore enfant. Regardez, en Europe, aux États-Unis, démocrates et républicains, deux partis, ils ne sont pas d'accord. Mais ils sont d'accord sur une chose, sur leur pays. En France, ils ne sont pas d'accord dans les élections. Ils sont d'accord sur une chose, sur leur pays. Mais quand tu vois en Afrique, et quand se font la guerre, les rébellions, ça montre que nous sommes encore des bébés. Quand dans ta famille, je ne suis pas l'enfant d'une telle femme, pas l'enfant d'une telle personne, pas, je n'ai pas l'enfant de mon père, et les familles se détruisent, frère. Ce n'est pas le diable qui sauve les. On attaque trop le diable. On met tout sur lui, même ce qu'il n'a pas fait. Tout est sur lui. La division, tu n'as pas dit sur le diable. Il dit, vous êtes chaque. Alléluia. Et donc, voici comment on discerne ce qu'est un enfant. Être un enfant, ce n'est pas mauvais. Parce que tu dois naître. Ton ministère est né. Donc si on devient les divisions, c'est normal. Ton foyer est né. Si on devient les divisions, c'est normal. Mais ce qui est anormal, c'est qu'après 5 ans, 8 ans, tu es toujours au biberon. Là, c'est malade. Alléluia. Et puis, tu vas quand je prends la Bible, je suis pas enfant. Mais quand je prophétise, Saya, et c'est pas l'éternel. Frère, l'église de Corinthe était l'église qui avait tous les dons spirituels. C'est l'église qui a la connaissance de Dieu. C'est l'église pour la Bible. Nous avons toute la connaissance. Mais ça, eux, il a dit aussi, vous êtes des bébés. Donc, le fait que tu parles alors, tu prophétises, tu prêches bien. Il ne veut pas dire que tu es pas Dieu. Alléluia. Quand tu as un problème, il faut que tout le monde, quand tu as un problème, on va toujours t'acclamer. On va toujours t'acclamer. Frère, c'est un enfant qui veut toujours dire, est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que je suis joli? Si tu es un enfant, tu es pauvre, tu n'as pas dit à l'autre que tu es fâché, n'est-ce pas? Donc si toi tu n'acclames pas, tu es fâché, frère, regarde ton âge, ta barbe te trompe, tu es encore bébé. Alléluia. On va grandir, alléluia. On doit grandir. Et je crois que nous grandirons au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu grandiras, que ton mariage grandira, que ton foyer grandira, que ton ministère grandira. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on a vu maintenant, c'est quoi l'enfance? On va voir alors comment agir dans l'enfance. La première chose dont on va parler, c'est que l'enfance est le stade de la préparation. La saison de l'enfance est la saison de la préparation. Quand tu es enfant, c'est le temps où tu te prépares. Amen. Opportunité plus préparation. La réussite est la résultante d'une équation simple. La préparation plus l'opportunité. Je me prépare et Dieu ouvre une porte. Je la saisis. J'ai réussi. On voit les champions olympiques. On a vu en cette année, en 2016, les Jeux olympiques. On voit les personnes qui ont fait des exploits comme Usain Bolt. Et quand il y a 12 mois par année, ils sont entraînés pour courir que 9 secondes. Ce que tu vois est le résultat d'une préparation. Sans préparation,
qu'il n'y a pas de pacte dans la vie. Les grandes réussites sont les résultats de grandes préparations. Le terrain ne fait que révéler le champion. Le terrain ne fait pas le champion. Mais ceux qui réussissent ont compris une chose. Dans la phase de l'enfance dans leur vie, ils se sont préparés. Quand Dieu te donne d'être dans la phase de l'enfance, c'est te donner de préparer ta destinée. En Ésaïe 60, verset 1, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Dieu dit, ma lumière arrive, n'est-ce pas? Amen. Sa gloire se lève sur moi, n'est-ce pas? Mais pourquoi là je vais me lever et éclairer? Parce que si Dieu se vers toi et que tu ne t'es pas levé, que tu ne t'es pas éclairé, la gloire qui vient va passer par ta vie. Un temps de préparation. Et la préparation, c'est dans la phase de l'enfance. C'est dans ton enfance que tu te prépares. Dans l'enfance de ton ministère, que tu te prépares. Dans l'enfance de ton mariage, que tu te prépares. Dans l'enfance de ton entreprise, que tu te prépares. Quand tu commences quelque chose et que c'est un enfant, Dieu dit, en ce moment, on se prépare. Mais les hommes, ils rentrent dans la sagesse de Dieu. On va à l'école, n'est-ce pas? Quelle est la première classe? C'est quoi? C'est bien, ça veut dire quoi? Cours préparatoire, première année. Pour un médecin vrai, ça commence au CP. C'est là qu'on prépare les leaders de demain. Tu es un grand ministère. Dieu a prophétisé sur ta vie. Tu es une grande entreprise. Dieu a prophétisé sur ta vie. C'est bien. Mais dans ton cercle spirituel, prépare-toi. Ne fais pas école buissonnaire. C'est là que tu prépares. C'est dans la phase de l'office qu'une grande destinée se prépare. Souvent, quand on fait dans l'enfance, on ne se prépare pas. On fait ce qu'on veut. Et après, on traîne des lacunes. Il y a des gens qui n'auront jamais le CP. Qui n'auront jamais le bac, s'il ne pas au CP. Frère, c'est la vérité. Je me le rappelle. J'avais une personne qui a écrit une lettre. Il était en terminale. Il a écrit, je prends une autre phrase. Il a écrit, je vais avec mon frère. Mais le avec, il a écrit A, V, E, I, C. Avec A, V, E, I, C. En terminale. Lui là, je l'ai pris, Seigneur, agite ton sang, je t'en supplie. Tu vas venir là, jamais. Amen. Mais c'est des gens, ils sont au 5e, ils n'ont pas le niveau, son père est trop, on lui fait passer une classe supérieure. Il n'a pas le, il est au 5e, il n'a pas la moyenne, il a 8 de moyenne, on ne sait pas grave, alors en 4e. Mais le prince n'a pas compris la 5e, et il a appris ça avec des lacunes. Et vu qu'il arrive au terminal, c'est un gouffre. C'est vrai, Dieu ne te fait jamais passer le cas supérieur. Jamais. Dieu, s'il t'attend au carrefour de l'humilité, la classe d'humilité, tu as fait 15 ans, tu vas refaire la même classe toujours. Tant que tu ne passes pas, il n'y avait pas l'humilité. Si ton enfant a eu la moyenne, ou le niveau, et que tu es malade, et que tu n'as pas eu la moyenne, tu peux lui faire passer la classe. Mais tant que tu le vois, il a eu de moyenne. Avec je vais prier. C'est quand tu as agi que la vie est moyenne. Et toi, quand tu as le moyen, allons-y pas à la supérieure. Mais les préparations,
il va de la clé. Et après, il arrive dans une classe, depuis la scie. Vous pouvez vous gêner et pas voir. Seigneur agit, tu peux agir. C'est pas le diable, Dieu cache pas. C'est l'ignorance. Est-ce que tu as pensé de même? Tu peux revenir, s'il te plaît. Alléluia. Et puis les regarde. Quand tu ne le vois pas, c'est pas grave.
Mourinho, qui est le meilleur entraîneur au monde actuellement. Tu vas partir des 4 meilleurs entraîneurs qui ont eu au moins la chance dans des clubs différents. Mourinho, il était celui qui était, qui traduisait pour les joueurs, les grands entraîneurs. Qui a commencé? Il n'a pas cherché l'argent. Il a cherché la connaissance. Moi, si je chante, de commencer, mon ami, je suis homme de Dieu. J'ai fait un programme. Pourquoi tel homme de Dieu, on lui donne 100 000 francs, son déplacement, on lui donne 10 000. C'est pas normal. Tu es mon frère. Quand tu es enfant, quand tu invites, et quand tu fais ton transport, tu lui dis merci. Pourquoi m'a invité? Sa taille, sa hauteur,
est déterminée par les bases qu'on positionne. Une maison ne peut être stable s'il n'y a pas de bonnes bases. Si ton mariage, tu n'as pas placé les bonnes bases, ton mariage va s'écrouler. Si ton ministère, ton entreprise, tu n'as pas placé les bonnes bases, ton entreprise s'écroulera. Il y a un niveau que tu n'atteindras jamais, malgré ton potentiel, si les bases ne sont pas posées. Les bases se positionnent dans l'avance. Dans toute discipline, il y a des bases. Et quand tu entres dans la discipline, dans la phase de l'enfance, recherche les bases et acquiert-les. Frère, quand on va à l'école, c'est quoi les bases du français? C'est l'alphabet. On prend les petits, tu as la bacanelle, tu as le CP1, on lui dit bon, A, bas. Bon, oh, bon, c'est la base. Si l'enfant rate ça, malgré la prophétie, il va échouer. Est-ce qu'on va passer, s'il vous plaît? Je vous appelle le frère qui est enseignant. Il y a des élèves au CP1 qui n'arrivent pas à avancer. L'enfant est intelligent. Il va prospérer. C'est pourquoi il ne peut pas lire ses leçons. Donc on ne peut pas lire les leçons, on ne peut pas les lire. C'est au secret qu'on commence à lire les leçons, n'est-ce pas? Et à lire les leçons, n'est-ce pas? Mais pour lire la leçon, il faut connaître l'alphabet. Il faut connaître la lecture, c'est bien. Il a brandi les bases des fondamentaux de la lecture. Donc l'enfant, malgré son potentiel, il ne peut pas lire. Il ne peut pas lire, il ne peut pas comprendre la leçon et il ne peut pas la rendre. Parce qu'il a raté les bases. Il y a des gens qui chantent très bien. Très bien. Mais ils n'arriveront jamais loin dans les musées de chant parce qu'ils ne connaissent pas les bases. Les bases. Toutes les lettres qu'on écrit, tout discours qu'on fait, à base de l'alphabet, les vaisselles. Le français, n'est-ce pas? Toute musique qu'on joue est basée sur cette note. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est ça? Tu vas te chanter. Si tu ne connais pas les bases, il y a un niveau. On se bat les gars. Amen. Amen. Frère, le chant est venu aujourd'hui. Vous n'avez jamais répété, il dit il faut jouer seul. Les groupes qu'on sait, souvent il n'y a pas de répétition. Le chant, ou bien le chanteur qui prend l'artiste, il prend sa chanson, il fait la partition, il met devant le pianiste, devant le bassiste, il n'y a rien, rien que des notes que chacun joue. Tu ne sais pas du solfège, il faut que je vais prier, tu ne sais pas une chanson. Frère, quand tu commences, mets les bases. Il y a beaucoup de gens qui commencent.
Il y a un grand appel, c'est vrai. Mais j'ai posé le ministère. Parle pas les bases. La base du ministère, c'est la parole, c'est le caractère. Jésus, ça a 30 ans qu'il a l'onction. Mais nous aurons à 30 ans, je n'ai pas l'onction, je n'ai pas connaissance, le caractère. Mais des gens, ils n'ont pas la parole. Tu as deux heures. Il dit aujourd'hui, Dieu veut travailler. On va pas te prêcher. Il prospère une publication biblique pour l'ami. Donc on prêche dans les papa. Tiens, quand on prêche dans les papa. Il t'a dit que c'est quand les gens tombent en France, on peut prêcher des casques que Dieu a travaillé. J'ai dit, écoute-moi. La Bible dit le 6e, 7e jour, tu as fait quoi? Mais Dieu faisait dans tous les jours. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que le temps soit. Il fait comme il parlait. Quand Dieu parle du travail. On a des bases. Et après, on a des problèmes. Si Dieu t'appelle au ministère, frère, commence par la parole. Commence par la parole. Parce que la parole, c'est la base. Si Dieu t'appelle la musique, va te découvrir le solfège. Si Dieu t'appelle à écrire, frère, après, lire un peu en anglais, afin que des livres, non
traduit en français, tu le sais. Travaillons, s'il vous plaît. Les amis, travaillons. Tu dis que tu es chef d'entreprise, Dieu merci. Mais tu ne connais même pas le droit des affaires. Tu ne connais pas le droit des affaires, le droit fiscal. Comme on paye les impôts, tu ne connais pas. Frère, je n'en prie. Parole, tu n'as pas appelé, tu n'as pas de chiffon au début.
Dieu ne sait pas que la foi. Et puis la femme réveille toujours des coups de poing. Après la troisième de mariage, tu es étonné. Oh, dans l'enfance, tu n'as pas dit pour la mienne, on ne me touche pas. Et puis tu es étonné. La coup de poing, tu es étonné. Frère, si tu es fâché, tu vas partir. Non, ne touche pas. Si elle ne t'aime pas, elle va partir. Mais la boule va me suivre là. Alléluia. La Bible dit en Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. La raison d'Abi est encore plus forte. Elle dit, élève le jeune garçon selon la loi de sa voix. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Amen. Frère. Quand tu commences quelque chose, prête, mets les bases. Tu as commencé le ministère, tu dis cher ami chez nous. Lui commence à 14h45. 2h30, on prie. De 2h30 à 14h30. Si quelqu'un ne veut pas, il ne va pas. Chez nous, chaque mois, le dernier vendredi, en fait, je vais aller prier des serviteurs. Si ça n'arrange pas, d'accord, parti. Quand tu commences tes CV, parce que tu risques de créer un ministère impoli. Quand tu commences dans ton foyer, tes CV, chérie, on s'aime bien, mais on ne se jamais dans la rue. On s'aime bien, mais on ne pas plus de points. On s'aime bien. Je veux à 20h30 pour moi. On sait bien, mais tes amis garçons, filles, je n'aime pas. Dans l'enfance, c'est mieux. Sinon, après quelque temps, vous aurez des problèmes. Mon dit à son enfant qui a 6 mois, 1 an. Mon ami, on ne mange pas chez le voisin. Pourquoi? Est-ce que c'est mauvais? Il n'est pas mauvais. Mais quand on est petit, on met la discipline. Nous dit en Proverbe 22, verset 15, la folie est attachée au cœur de l'enfant. C'est la flèche de la correction qui nous séparera. La chose de Cramon dit, c'est la discipline qui nous séparera. Quand on commence dans l'enfance, on met la discipline. Si ton premier fils est discipliné, après, ceux qui viennent, ils sont le premier fils, et puis ils ont de la danse. Mais si le premier fils est indiscipliné, sur la route, tu vois des problèmes. Donc, les enfants ont dit non, tu sais, papy, tu ne peux pas faire comme ceci, il faut parler à l'enfant, mon frère. Tu lui as dit, on chicote l'enfant. Bien, c'est pas la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, ton entreprise, tu dis, frère, on s'aime bien les chrétiens, on est ensemble à sa place royale. Mais quand on vit ici, là, ce n'est pas l'église, c'est l'entreprise. Quand on dit 7h40, on commence le coup. Il vient une fois en retard, deux fois, trois fois, demande des explications, quatre fois même dehors. Quand ils sont chassés un comme ça, les autres apprennent de l'autre. En tout cas, cherche un. Tu vas être indécent. Quand tu te tapes comme ça, là, tout le monde est droit comme ça. Même après 10 ans, ton entreprise est disciplinée. Mais si tu es trop doux, tu vas mourir. Je dis, tu vas mourir.
recherche la sagesse. Quand tu vois Jésus, dans son enfance, il était à 12 ans dans le temple, avec des quoi? Docteur de la loi. Et il recherchait la sagesse. Un enfant de 0 à 5 ans. Les études ont montré qu'un enfant de 0 à 5 ans apprend plus de choses qu'un étudiant dans tout son cycle universitaire. Prends un enfant. Maman, pourquoi le soleil bouge? Maman, pourquoi la pluie descend? Maman, la pluie c'est quoi? Maman, pourquoi les nuages? Il ne pose que des questions. Mais un enfant a soif d'apprendre. Et donc tu es enfant d'un domaine, acquiert la connaissance. Il ne faut pas chercher l'argent, cherche la connaissance. C'est pas quand tu es un enfant aussi, quand il pose des questions, on va dire, ah, je me fatigue. L'enfant a soif d'apprendre, c'est là on apprend. Quand tu es enfant d'un domaine, connais-toi ce qu'ils connaissent. Dans le mariage, quand tu maries, ton enfant, allez voir ce qu'on fait tout le mariage. Et puis il y a la paix. Je ne veux pas dire que ton enfant mariage, et puis la paix ne va pas partir à cause des enfants. C'est pas ce que j'ai parlé. Il y a des foyers, non? Ils sont ensemble. Mais la femme, c'est pas bien des enfants du foyer qu'elle va participer dans le bâtiment. Non. Je ne veux pas des foyers qui sont stables, exemplaires. Tu es enfant, va voir comment ils font. Après 30 ans, après 5 enfants, le mari est plus fidèle. Comme la femme fait. Puis après 5 enfants, elle a grossi. Elle n'est plus la jeune fille qu'elle était avant. Son mari est toujours avec son épouse. On va lui demander comment on fait. Tu es dans le ministère. Des gens ont réussi dans le ministère. On va lui demander, frère, comment on fait. Moi, j'ai pris la liste des grands hommes de Côte d'Ivoire. Et je vais chez vous, le Dieu. Ça, comment on fait? Parce que Mohamed, en Côte d'Ivoire, les gens ont des problèmes. On cherche des chrétiens, des églises. On cherche des maisons. Des hommes. On casse des églises. Mais en 2016-15, tu fais 10 programmes, ça fait 600 millions de francs CFA. Et moi, je ne les vends plus pas. Comment tu fais? Va les voir, mettre des grands. Quand tu es enfant, ceux qui dans ton domaine ont réussi, connais pas eux qui acquièrent leur sagesse. Constance, comment tu fais? Mais quand tu sors quelque chose, c'est toujours bon. Nous, on court, on prie, on jeûne, on va producteur. Toi, tu fais un conseil chaque année gratuit. Comment tu fais? Quand on est enfant, on recherche ta connaissance. Frère, il est sage d'apprendre de tes erreurs. Il est encore plus sage d'apprendre de celles des autres. Va dans ton domaine, ce qui est isolé et apprend de leurs erreurs et de leurs expériences. Jésus croissait en sagesse, en statue et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jean le Baptiste a fait de même comme un enfant. Frère, ce n'est pas l'âge qui vous intéresse. Nous sommes assis, nous sommes pas enfants, le misé enfant. Mais notre objectif, je ne sais pas combien de fois, on fait des affiches combien de fois, frère. Ce n'est pas ça qui est important. Quand tu es enfant là, il faut le laisser. Quand tu es enfant, recherche les lois, les pensées. Est-ce qu'on a commencé à vous mettre? Amen. C'est cela la réponse. On recherche les principes. Et finalement, on va finir par là, par le dernier point. Quand tu es enfant, on prophétise. Quand tu es enfant, on fait quoi? C'est le stade de la prophétie. C'est notre enfant qui prophétise. Prends avec moi Joël 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Joël 2, le verset 28. On va finir par là rapidement. L'enfance est le stade de la prophétie. Je lis Joël 2, verset 28. Après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dieu parle par Joël. Il dit, il y a un moment qui va venir où les gens, les jeunes gens, les jeunes filles vont faire quoi? Prophétiser. Les jeunes gens auront des visions, des vieillards, des songes. Frère, dis-moi. Ma fille, quand tu es vieillard, t'as rien de songe?
C'est avec moi? Amen. Et d'abord, les 15 ans, tu fais ton songe. Elle n'a pas les mêmes qu'à 13 ans qui prophétisent. Dieu ne parle pas de la chasse. Il parle des saints de ta vie. Quand tu es enfant, dans le stade, tu prophétises. C'est pas pour prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Tu es assis. Dieu te dit, ton ministère va prospérer. Quand tu es enfant, tu dis, moi, je serai le grand homme de Dieu. C'est un sens moyen. Tu as l'église de l'envie. On va construire des écoles, des hôpitaux, on va des orphelinats, on va nourrir des personnes, on va les donner, faire des dons aux hôpitaux, on va aider les gens. Les hommes de Dieu seront aidés par notre ministère. Tu prophétises sur ta vie. Quand tu es enfant. Jésus dit à 12 années, vous ne savez pas que je dois faire l'œuvre de mon père. Vous ne savez pas. Il prophétise. Regardez les enfants. Un enfant normal. Je ne parle pas d'un enfant que les parents ont brisé. Non. Un enfant normal. Tu lui demandes, tu as fait quoi dans la vie? Moi, je serai un grand mercier. Je serai un grand pilote. Tous les enfants des grands rêves, ils peuvent se demander de l'aide. T'as pas remarqué? La prophétie, ce n'est pas seulement annoncer le futur, c'est aussi créer le futur. En Ézéchiel 37, tu dis, Ézéchiel, est-ce que c'est son peuple de vie? Et je ne sais pas. Toi, ce que tu le sais. Je dis, est-ce qu'elle prophétise? Est-ce qu'elle t'a prophétisé sur les autres? Il n'a pas annoncé le futur. Il a créé le futur. Tu vois ta destinée. Tu vois ton rêve. Tu vois ta vie. Tu vois ton potentiel. Commence à parler sur ta vie. Tu n'es pas seulement desséché de ton ministère. Tu, ta famille. Et dis, ma famille prospérera. De moi sortiront des enfants qui vont influencer les nations. De moi sortiront des personnes qui vont bouleverser l'humanité. De moi vont sortir des éléphants qui vont changer la forme de la terre. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Et ton histoire ne changera pas. Parce que Dieu te bénira. Dieu te bénira. La prophétie est pour vous. Elle consomme. Frère, il faut que tu prophétises. Dis que Dieu a dit sur toi. Il a dit que tu réussiras. Il a dit que tu as la tête et non la queue. Il te donne des songes et des rêves. Tu les prends et tu les prophétises sur ta vie. Ce qu'on voit en toi, c'est pas grave. Toi, prends-toi. Dieu prends-toi. C'est suffisant. Frère, je vais te dire, tu commences à parler sur ta destinée. Quand on est enfant et qu'on ne croit pas en nous, nous, on croit en destinée. Et on dit, c'est les chants qui font le tour de la terre. Ce sera un footballeur qui va influencer des nations. Ce sera une femme qui doit naissance à des enfants qui vont bouleverser des nations à côté de toi. Je crois en ta destinée. Je crois en toi. Commence à croire en toi et prophétise au nom de Jésus-Christ.